La vague de Carter, attention. Catégorie Street Max 1-2. Tu nous dis quand tu es prêt. Allez, c'est parti. 30 secondes pour se qualifier. 146.1. Est-ce que Cédric, tu peux nous présenter en deux mots un petit peu en quoi consiste ton club, la région et le nombre de licenciés? Oui. Donc on compte à peu près 15 adhérents dans mon club.
clubs, quoi. Donc au moins, alors ça semble. Il y a, on va dire 4 mois à peu près qu'on s'est lancé. Le club, il a à peu près fait depuis 4 mois, quoi. Déjà, ça se trouve à peu près pas mal, quoi. Ensuite, la voiture, c'est fait en une année, quoi. Elle a été mobilisée un an au garage. Donc on est parti sur des ailes de Cox à la base pour le kit large. Suivi de, après, tout au mastic, on a fait un kit carrosserie donc, de chez Velsailles, Toyota Celica précisément. Donc, ensuite, avec un lissage complet, peinture vert Triumph. Suivi de l'aérographe 7-Up par Yvan Plu, le spécialiste. Ensuite, j'entends 18 devant, 19 derrière. Suspension SPAX. La sono, donc pour l'instant, qui va être modifiée après, là, c'est que en alors, reparle-nous un peu de ton club, justement. Quel est le but de ton club, la fonctionnalité et peut-être l'avenir pour ton club? Combien tu aimerais être dans le club? Ce que tu aimerais en faire? L'évolution du futur de ton club? Nous, on avait pour but au départ donc, de fonder le plus gros club de Sarthe, voire même mieux encore. Donc, actuellement, ça a l'air bien parti. On arrive à avoir des bons projets, quoi. On a des bonnes bases déjà. On a une polo là, qui est quasiment faite aussi, comme la mienne. Ensuite, il y a le président qui a une autre polo aussi, qui y a un énorme projet à faire dessus. Quoi. Là, on a une golf donc, de la secrétaire qui est en train de se faire aussi. Quoi. On a un projet qui tient la route. Quoi. Sinon, après, on a un Corrado. Donc, lui, pareil, il est déjà tout équipé et tout. Bon, lui, c'est plus au niveau puissance moteur. Au niveau du club, le fait de venir dans ce genre de rassemblement, pour toi, c'est pouvoir obtenir un titre et pouvoir te faire reconnaître au niveau de ton club. Pouvoir me faire reconnaître au niveau de mon club, donc faire profiter mon club déjà de moi, mes avantages, parce que moi je recherche quand même, vu le projet que j'ai, je recherche des contrats ou des sponsors. Ce que je peux décrocher. D'accord, une petite phase de notoriété pour te faire connaître et après. Pour me faire connaître, me faire une promotion ensuite, pourquoi pas faire bénéfice. D'accord, donc pour toi, le GTI Tour, c'est un tremplin. Voilà. C'est vraiment le début du club et la manière de te faire connaître, te montrer. C'est le premier ici et justement, c'est mon premier gros meeting. Ouais. D'accord, tu seras avec nous à Bordeaux? À Bordeaux, j'y serai. Avec le club, si tout le monde me suit. Et ben, on va vous donner rendez-vous à Bordeaux alors. Rendez-vous à Bordeaux, il n'y a pas de problème. Merci. Tu nous fais l'intérieur après? Dernier. Donc, j'ai le corps, attention, la Mais vas-y, là, tu roules une grosse pelle là. En fin de vidéo, tu sais. Par contre, tu remontes un Thank you.
une question là. Qu'est-ce qui fait que ça coupe comme ça? Que ça? Que ça coupe comme ça en fait, qu'il y a des à-coups au niveau de la... De faire le DVD qui va être offert avec GTI Mag du mois de novembre ou décembre. En fait, le GTI Tour est filmé sur l'ensemble et on fait un reportage sur l'ensemble des 7 étapes et on fait le DVD qui va être offert avec GTI Mag en fin d'année. Voilà. Et il y aura moyen de l'avoir aussi. De toute façon, on se revoit à Bordeaux. Allemagne hier, tu sais. Ça fait des bornes, oui. C'est pas en hier. Merci. En Allemagne, il doit y avoir des beaux projets aussi. Allez, par contre, en Allemagne, dans les rues, c'est permanent. Ah ouais, c'est la folie et tout est à base de BM et de Mercedes. Ouais. BM, Mercedes, à fond. Hein. C'est vrai que c'est. Contrairement à la France, l'Allemagne, c'est rentré dans les mœurs. Quoi. Les voitures, t'achètes une voiture, forcément, tu la modifies. Quoi. Il n'y a pas une voiture de commerce qui est roule comme elle est achetée, qui s'est modifiée. C'est encore autre chose. Ah oui, oui. On va y arriver en France. Le mieux, ce serait encore d'aller en Amérique. Ouais, mais c'est pas encore la même chose. Ouais, c'est pas c'est différent. J'aimerais bien aller là-bas. Ouais. Allez, bon courage. Mais devant, on va... Merde, comment tu l'as vu ?
ce qu'il y a. Combien ? 120. 1200 watts. Ouais, 1200 watts, c'est un combien ? C'est un 25 ? Oh la vache. Ouais, 125. Ouais, 25. 1200 watts max. Oh le machin. Tiens, les blas, c'est combien ? Ah ouais. Attends alors. J'hallucine. Le machin, c'est. Allez, c'est rien, il va modifier tout ça.
Superman qui grave. Superman qui grave accroché à la scène sur le bout des doigts. Et en tout cas, voilà les félicitations avec. Vous voulez dire un mot avant de partir Carla maintenant qui va. Vous voulez dire un mot avant de partir trophée. Je rappelle que. Urban Ricard GTI Tuning de Paris. Monte ta coupe, toi. Dans le cadre du GTI Tuning. Attends. Elle est à moi. Vous retrouverez bien sûr un compte rendu, un reportage brillamment commenté. Ouais, un petit morceau. Un petit morceau. J'ai raté le dernier. Bonjour. Carla. Non, t'as vu, enfin, t'as vu.